Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Bon Jean-Charles, j'imagine que c'est une déception. Trois matchs, trois défaites. On vous a senti quand même un petit peu brouillon sur près de la zone d'en-but. Qu'est-ce qui a manqué à ce match pour que au bout de la 60e, on transforme et que ça ne s'écroule pas comme ça s'est écroulé? Ouais, il nous manque des petites choses, des petites appréciations. La dernière passe sur le côté là-bas où finalement on prend un rouge dessus. Je pense que ça peut faire chavirer le match. Si on met cet essai, on passe à 17-13. Voilà, ça se joue à des petits détails, des petites passes. Puis après, on fait rentrer des gars qui sont blessés, des gars pas forcément de niveau. Donc, c'est compliqué, mais on est tombé sur vraiment une très très belle équipe de Rouen. Il faut le dire aussi. Je pense que ça va jouer vraiment le haut du panier. Donc voilà, on est déçus, mais on a vraiment joué. On a joué aujourd'hui. Oui, on a senti qu'en première mi-temps, de toute façon, l'équipe était là. Bon, après, ça s'est un petit peu dégradé. Donc, comment tenir une deuxième mi-temps comme une première? C'est quoi la recette? Là, il va falloir absolument qu'on récupère des gars. Il va falloir absolument qu'on continue de bosser aussi. Parce qu'on l'a déjà dit, mais nouveau staff, nouveau projet, ça commence à se mettre en place. Mais il nous manque la petite étincelle qui nous fait passer du bon côté, le bon rebond. Juste ça, puis voilà, on va bosser. Bon, la semaine prochaine, il n'y a pas de match. Repos et analyse, j'imagine. Repos, ouais. Analyse, et puis par contre, la semaine suivante, dans 15 jours, là, il y a un match important. Stade Bordelais, on va se déplacer. Il faut absolument qu'on fasse deux équipes aussi. Voilà, qu'on fasse jouer quand même. On n'a pas un groupe énorme, mais il faut qu'on fasse jouer les gars. Donc, on va bosser cette semaine, repos mercredi, sûrement vendredi, analyse, voir ce qui pêche un petit peu, les petites erreurs individuelles. Et voilà, bosser là-dessus et puis espérer que ça nous sourisse à un moment donné pour lancer notre saison. Merci Jean-Charles. Merci.